Bon voilà, la famille Slankoumla, je suis venu dans une plage qui est à côté. Hammam El Gazer, je sais pas quoi, un truc comme ça, mais bon, je suis venu visiter ça, ce qui est pareil, c'est grave beau. Et j'avoue que l'entrée là, c'est magnifique, mashallah. Je suis venu un peu en retard, coucher du soleil, mais regardez. Mais je vais vous montrer un peu un petit coin sympa. Ça peut être pas mal, mashallah. Il y a des gens qui font du foot ici. Ah, la famille là, il était temps d'enlever les chaussures. Donc là, regardez, on va mettre le pied dans les sables. Très très doux le sable, mashallah. Abhi pani check karte hain, pani kitna thanda hai. Hawa to bahut tez chal rahi hai. Regardez ça. Bon la famille, on fait vite le tour ici parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis il y a des gens qui sont en train de nager carrément avec les grosses vagues qui arrivent là, c'est abusé. L'eau, c'est pas des lol ici, voilà. Il fait un peu frais ici comparé à d'autres plages, mais bon. Continuons notre route pour voir la suite. Et là, j'ai fait une petite séance photo. Et là, je vais repartir à la suite. Je vais voir, il y a quoi là-bas. On verra s'il y a quelque chose d'intéressant à faire ou pas. Mais bon, je suis tout seul en vadrouille ici. Dekhte hain ki aage kuch karne ko hai ya nahi hai. Main akela bas ghum raha hoon har jagah. Abhi maghrib hone wali hai. To dekhte hain ki aage kya hai yahan pe karne ke liye. Dekhte hain. Ruk zindagi ne mod liya kaisa. Humne socha nahi tha hoga aisa. Ah. Allons aller voir ce qui est là. Je vais aller devant, tout droit, pour voir s'il y a un truc magnifique à voir ou pas. Il commence à faire nuit et il y a plein de choses à voir. En fait, le soleil il est couché. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a plus de soleil. La vue, elle est magnifique, il s'est couché du soleil, mashallah. Ah, so guys, Roshni Sari Khatam Ogiye. Il n'y a plus de lumière maintenant. Il n'y a plus de soleil. Le soleil est couché et regardez le reflet que ça fait en fait, mashallah, c'est tellement beau. Et là ça va être direction autre part hein, pour visiter un peu plus. Donc on verra ce qu'on peut trouver, inshallah. Il fait très tard, le soleil est couché et je suis venu au port. Non, le fort de Kilibia. Il est juste derrière moi, regardez. On le voit pas trop parce que il fait pas jour. So guys, beaucoup de ratogie, il fait vraiment nuit, très très nuit, on voit rien du tout. Même moi j'ai allumé la lumière de la GoPro pour marcher. Mais là regardez, c'est le fort de Kilibia. Et très très haut, mashallah. Mais une vue magnifique le soir. Après il faudra plutôt le visiter la journée pour voir dans la journée ce que ça donne. Parce que là le soir c'est bien, c'est beau. Mais par contre on a du mal à marcher, il n'y a pas de lumière, c'est pas éclairé du tout en fait, voilà. Il fait très noir, je vois rien du tout. Donc là je vais faire quoi? Je vais descendre en bas. Je vais aller vers la ville, voir ce qu'il y a intéressant à faire. Je sais pas, peut-être aller voir un petit resto, des petits trucs comme ça. Bon la famille, salam alaikum, en direct de Kilibia. Pour moi aujourd'hui c'est l'heure de quitter cette ville. Et je m'aventure ailleurs. On verra où la vie m'emmène. Mais juste vous montrer en fait la maison que j'ai louée, d'accord. Et elle est vraiment très bien. Un seul problème, c'est la clim qui est pas dans ma chambre, c'est tout. Parce que moi j'ai pas dormi dans ma chambre du tout. Là regardez, là on a un gros salon qui rentre comme ça. Voilà, ça c'est le grand salon. Avec la télé. La télé qui est juste à côté, là ça c'était mon coin préféré. Parce que juste en haut dans la clim, ah ça fait grave du bien. Et du coup après je vais vous montrer la cuisine qui est pas mal, mashallah aussi, regardez. Qui donne sur le balcon, voilà. Ça c'est la petite cuisine. Et après ça donne sur le balcon, voilà. Et là, je vais vous montrer, là on a les toilettes. Voilà, ça c'est les toilettes. Et là, la fameuse chambre qui est là, regardez.
très joli en tout cas, très classe, avec un petit mouvoir, aïe aïe aïe. Et un seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de clim ici. Donc en fait, moi, impossible à dormir sans clim ici. J'ai pas du tout dormi ici. J'ai passé mes deux nuits en fait à dormir dans le salon ici, voilà, au fond là-bas. C'était inconfortable, mais bon, c'est pas grave. Je suis là que pour deux jours. Donc voilà la famille, là je vais sortir, je vais profiter un peu, je vais aller prendre le petit déjeuner et on se verra après, tout à l'heure. Bon, avant de quitter Kilibia, je me suis dit que je vais faire une petite balade et j'ai rencontré deux jeunes filles, Wafa et Arabia. C'est bon ? Ouais. Donc elle s'est dit, bon, on va visiter ensemble et comme ça je fais mes petites vidéos, mes petits TikTok avec elles. Enfin, elles vont m'aider à me filmer et après voilà, je rentre direction une autre ville, Inch'Allah. Regardez maintenant comment c'est beau. La famille là, ça va être séance photo en fait. On a commencé les séances photo, regardez. Tiens, just record me, ok? Mm-hmm. Okay. Je vais essayer de faire des TikTok en fait, donc c'est pour ça que je vais me promener dans le sable. Le sable, il est tellement beau, magnifique ici, regardez. Donc là, on va faire un petit spot. Ah, il est grave bon le sable. J'ai pas enlevé mes chaussures, mais bon, merlich. C'est pas grave. Excuse-moi. Le sable, il est tellement bon ici, machallah. Magnifique. On va essayer de trouver un petit spot pour que je puisse faire mon TikTok. Démarrer. Il a démarré. Bon la famille, j'ai commencé à faire des TikTok ici là. Les gens ils vont dire wesh il est con quoi, il fait quoi ici. Je vais m'afficher bêtement avec les gens et tout, mais bon, c'est pas grave, du moment qu'on fait nos TikTok, c'est le plus important. Ouh. Par contre c'est dur à danser sur le sable, laisse tomber. On s'apprête à faire un TikTok, mais il y a trop de monde qui passe. Et regardez autour de moi, il y a trop de monde aussi. Il y a du monde partout et moi il faut que je fasse un TikTok ici, regardez. Bon la famille, séance TikTok, c'est fini, maintenant ça va être séance vidéo, photo et tout ça, regardez. C'est magnifique, machallah. L'eau elle est vraiment bleu turquoise et c'est beau, franchement la couleur de l'eau est magnifique. Bon la famille là, j'ai pris la route pour Tunis là, machallah, c'est tellement beau, regardez.